Merci beaucoup pour le jingle et bienvenue à tous et à toutes à nouveau donc et dans cette grande salle plénière donc pour la première table ronde de cet après-midi. Table ronde, conférence comme on veut, parole d'acteurs, entreprises françaises et les ONG face aux besoins des collectivités territoriales. On entend là donc que les collectivités territoriales francophones connaissent parfaitement leur territoire respectif avec ses atouts, ses contraintes, les potentiels et les risques. On a vu au travers de la présentation de la région du Nord-Kivu, mais également de tous les panélistes de la première table ronde autour donc des opportunités au sein des collectivités territoriales, cette finesse dans l'interprétation, dans la connaissance. Et donc, les collectivités territoriales qui sont compétentes en matière d'aménagement du territoire, du développement économique, sont indispensables pour la réussite des programmes d'accès à l'énergie, d'accès à l'eau et pour la pérennisation des ouvrages installés. Sans attendre, donc, je vous propose de faire intervenir notre première intervenante, Madame Madeleine Fauchier, donc, bonjour, responsable du développement au sein de la FONDEM, Fondation Énergie pour le Monde. Ça va ? Bonjour. Alors donc, vous représentez la Fondation Énergie pour le Monde, créée en 90, si je ne me trompe pas. Peut-être un petit mot sur une présentation rapide, succincte de la FONDEM et de son mandat. Oui, donc la Fondation Énergie pour le Monde, on est une fondation reconnue d'utilité publique, donc comme vous l'avez dit, créée en 90, pour, enfin, spécifiquement active dans le secteur de l'électrification rurale décentralisée. La mission de la FONDEM a un peu évolué au fil de son histoire, mais la mission, c'est toujours d'aller là où le secteur privé et où le secteur public n'est pas encore, pour des raisons diverses et variées, et essayer de comprendre un peu les raisons de cette absence de solution d'électrification et d'apporter une solution adaptée au territoire. La plupart du temps, c'est via le solaire, qui est une grosse partie de nos activités, et on est très concentré sur les usages de cette électricité, donc pour un développement économique local, mais aussi, par exemple, pour des activités agricoles, donc vraiment appliquer le solaire sous toutes ses potentialités à des usages qui favorisent le développement rural. Merci. La FONDEM, pour les collectivités qui ne le savent pas encore, a été notre partenaire technique dans le cadre d'un projet clé en main. C'est un dispositif qui est cofinancé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur un projet qui a duré un an, de 2020 à 2021, qui est un projet donc Sahel-ERD qui réunissait une quarantaine de collectivités territoriales donc sahéliennes francophones, membres de notre réseau, et qui, pendant cette durée de un an, ont travaillé autour de ces questions de la maîtrise d'ouvrage des projets d'électrification rurale. La FONDEM a énormément contribué dans ce projet, dans ces différentes phases. Peut-être, Madeleine, pouvez-vous nous dire un petit peu sur le transfert des bonnes pratiques, des outils et des connaissances que la FONDEM a opéré pendant ce projet, notamment à travers ses regroupements techniques? Oui, merci, avec plaisir. Effectivement, le but pour la FONDEM, c'est aussi de faire ce transfert de connaissances un maximum sur la connaissance qu'elle acquiert au fil de ses projets et donc de les transférer aux acteurs pertinents. Dans le cadre des collectivités territoriales, je commencerai par dire que pour la FONDEM, on est convaincu que les collectivités territoriales, alors que ce soit département ou région, elles ont toute leur place dans les projets d'électrification rurale. Souvent, l'échelon national est un peu loin des réalités de terrain et l'échelon communal est parfois un peu petit, manque de moyens techniques et financiers. En revanche, l'échelon intermédiaire collectivité territoriale est très important et c'est pour ça qu'on apporte une grande importance au transfert de connaissances. Et donc là, en l'occurrence, dans le cadre de ce projet, on a organisé 5 séminaires, 2 regroupements internationaux qui étaient à destination à la fois des techniciens des collectivités territoriales, donc pays du G5 Sahel plus le Sénégal, si je ne me trompe pas, et également à l'attention de décisionnaires. Donc on a vraiment scindé les formations et les temps d'échange différemment en fait, entre les différents profils. Ces formations se sont déroulées autour des solutions techniques qui existaient pour l'électrification rurale, les contextes et enjeux locaux, donc pays par pays. On a fait un gros travail sur le cadre réglementaire, une comparaison également entre les différents contextes réglementaires. On s'est rendu compte que c'était très intéressant de parler donc des solutions qui existaient avec les avantages, les inconvénients, les publics ciblés par chacune des solutions, que ce soit par exemple l'éolien, le solaire électrique ou le pompage par exemple, qui ont chacun vraiment des spécificités.
On a aussi mis beaucoup l'accent sur la définition des termes et un gros travail a été fait notamment pour repositionner de quoi on parle quand on parle d'un ouvrage, de quoi on parle quand on parle d'un maître d'ouvrage, qu'est-ce qu'un maître d'ouvrage délégué, etc. Et une grande partie des formations s'est concentrée sur le rôle des collectivités territoriales en tant que maître d'ouvrage. Donc qu'est-ce que ça signifie pour une collectivité d'être maître d'ouvrage, à quel moment elle intervient, etc. Donc un gros focus sur ces étapes des différents projets d'électrification rurale, beaucoup de cas pratiques et d'échanges d'expériences des différents participants. Et enfin d'autres dimensions des projets d'électrification, notamment le cadre financier, quelles sont les dépenses, les coûts et le cadre réglementaire qui va influencer la réussite, le succès des projets d'électrification rurale décentralisée. Et ça nous a permis aussi de toucher des questions par exemple de décentralisation pour la question des compétences qui peuvent être allouées aux collectivités territoriales et la question du coût du kilowattheure d'électricité en milieu rural. On sait que c'est pas possible que ce soit le même coût en milieu rural qu'en milieu urbain, donc il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Et je clôturerai par un peu ce qu'on en retire. Comme je le disais, c'était vraiment la conviction que la collectivité territoriale a toute sa place dans les projets d'électrification rurale. On voit bien qu'il y a un manque, en fait, enfin, au niveau des manques, il y a un certain manque d'appui de compétences techniques, parce que les projets d'électrification, ce sont des projets qui sont complexes. En revanche, il y a aussi quelque chose à faire du côté de la décentralisation. Nous, on a un retour d'expérience qui est très positif avec un projet qui s'appelle Solsomati avec la région de Mopti. Je crois qu'ils sont présents aujourd'hui, un projet d'électrification dans lequel la région de Mopti est maître d'ouvrage et la Fondem intervenait comme maître d'ouvrage délégué. Et on a réellement vu ce passage de transfert de responsabilité du projet depuis l'Agence nationale d'électrification vers la collectivité avec un fort taux de succès. Ce projet est en train de se dérouler et devrait toucher à sa fin d'ici quelques mois. Donc un très bon retour d'expérience sur le rôle de la collectivité territoriale au centre de ce projet d'électrification. Merci beaucoup. On va peut-être passer sur la présentation suivante. Ce sera donc avec Madame Rachel Naudin, directrice de ADOS. ADOS, Association Drôme Ardèche Oussourgui. Bonjour. Donc c'est Rachel Naudin de l'association ADOS Ardèche Drôme Oussourgui Sénégal. Donc notre association est basée à Bourg-lès-Valence, dans la Drôme, et nous intervenons depuis plus de 30 ans dans la région de Matam, au nord du Sénégal. Donc nous, notre spécialité, ce n'est pas les énergies renouvelables, mais c'est plutôt la gestion intégrée de la ressource en eau. À travers la GIR, on va dire, l'objectif, c'est de mettre en place, de favoriser la gestion coordonnée de l'eau entre tous les acteurs d'un territoire. Et à travers ces projets, nous allons automatiquement intervenir sur les enjeux énergétiques, environnementaux et de développement économique local. Donc, on a une équipe basée à Bourg-lès-Valence, à Matam et à Dagana, puisque aujourd'hui, l'objectif, c'est de sortir de la région de Matam pour essaimer un peu notre expertise au niveau du Sénégal. Donc le contexte de Matam, donc c'est une zone semi-aride, impactée de plus en plus par le changement climatique, avec donc une période de sécheresse de plus en plus longue, l'instabilité du calendrier agricole, une zone agro-silvopastorale où l'accès à l'eau et le couvert végétal devient une priorité, et enfin une gestion des parcelles agricoles compliquée due à l'absence ou aux pannes de forage et aussi à la cherté de l'eau. Donc, suite à ces constats, le département de Matam, la commune de Bokidiaoué et le département de l'Ardèche ont décidé de mettre en place un projet avec l'appui d'ADOS, le SODEL, Soleil Eau pour le développement économique et local. Donc, l'objectif premier, c'est de baisser les impacts du changement climatique par la construction et l'aménagement de deux forages en équipement solaire, et de favoriser le développement économique local à travers l'entrepreneuriat et grâce à un prix attractif de l'eau. L'idée de ce projet, c'était aussi de baisser le prix de l'eau pour la rendre la plus accessible aux ménages vulnérables, mais aussi aux entrepreneurs et aux éleveurs. En action concrète, il y a eu la création de ces deux forages en centrale photovoltaïque, en mix énergétique, le renforcement des équipements et ouvrages hydrauliques et appui à la modernisation agricole.
avec la réalisation de deux périmètres maraîchers sur deux communes, donc 3 hectares, 3 hectares, et l'installation en tout de 48 entrepreneurs maraîchers, avec leur suivi, des formations, la création d'un groupement d'intérêt économique. Et il y a eu plus de 40 tonnes de légumes produits en 2020. Et en parallèle, on a construit une unité de conservation en voûte nubienne, parce que l'idée, c'était de pouvoir conserver les légumes pour pouvoir les vendre à une autre période de l'année où c'était économiquement plus intéressant. Voilà, donc il y a eu tout ce suivi des entrepreneurs et en même temps un appui aux acteurs locaux à la structuration du projet et au maintien des ouvrages mis en place. Merci Rachel. Et quelle évaluation faites-vous du coup de ce projet ? Alors du coup, il y a une évaluation plutôt positive, bien positive. Et du coup, ce projet a fait l'objet d'une évaluation de l'AFD, donc qui recense un peu les résultats et les analyses. Et du coup, une des préconisations d'ailleurs, c'est de pouvoir capitaliser ce projet et d'aller au-delà de la région de Matam pour pouvoir lancer des informations et reproduire le projet à une échelle plus large au niveau du Sénégal. Donc du coup, on a pas mal de documentation. On a aussi réalisé une étude sur l'opportunité du solaire. Donc l'idée, c'était de munir les élus locaux d'un manuel technique, vraiment, pour la mise en place d'une telle expérience d'un mix énergétique au niveau des forages. Donc voilà, on a, nous, à notre disposition des outils qu'on peut mettre à disposition des collectivités. Voilà, on se tient à disposition pour de plus amples renseignements. Peut-être un autre projet dont on n'a pas encore parlé, mais avec la collectivité de Dagana. Voilà, donc là, c'est un projet en ONG. Donc, on a répondu à l'appel à projet de la région qu'a lancé la région Rhône-Alpes avec l'agence de l'eau. Et donc, l'idée, c'était de favoriser le partenariat entre entreprises privées et ONG. Donc, nous, on a travaillé avec la société Suretech, qui interviendra tout à l'heure avec Patrick Chavreau. Donc, là, l'idée, c'était de renforcer la couverture en ouvrages d'eau et d'assainissement sur le département de Dagana, sur deux communes de Dagana. De structurer les acteurs autour de ce projet pour assurer la maintenance mais aussi la continuité du projet et de sensibiliser la population sur les questions d'hygiène et d'assainissement. Donc là, c'est un projet aussi qui est en réussite, bonne réussite, puisqu'il a commencé il y a plus d'un an, à peine un an et demi. On va déposer une deuxième phase du projet et en plus, avec la collectivité de Dagana, on crée encore un autre projet de coopération décentralisée. Donc voilà, donc là vraiment, je tiens vraiment à souligner les clés de réussite, c'est bien l'investissement. Enfin, il y a plusieurs ingrédients, j'allais dire, mais qui sont autant importants les uns que les autres. C'est l'investissement de la collectivité locale. Donc là, c'est vraiment ce qui se passe à Matam, mais aussi à Dagana avec ce nouveau partenariat. Une expertise technique qu'Ados apporte ou qu'on va chercher en externe auprès du privé, mais au Sénégal ou en France. Après une expertise financière, de pouvoir lever les fonds, accompagner les collectivités à lever les fonds pour les projets, donc auprès de l'AFD, de l'Agence de l'eau et d'autres partenaires. Et voilà, en gros, les ingrédients pour une réussite. Merci beaucoup, Rachel. Et à présent, on va passer le relais à Alexis Cojol. Alexis, donc responsable des programmes d'accès à l'énergie au sein du GERES, qui travaille étroitement avec l'équipe de l'AIRF actuellement sur des formations, accompagnement ou diagnostic donc d'énergie. Peut-être on pourra en avoir un mot, mais peut-être déjà présente un petit peu le GERES et votre champ d'expertise. Bonjour à toutes et à tous, et merci du coup pour l'opportunité qui nous est donnée de présenter nos actions aujourd'hui. Le GERES, c'est une ONG de développement international créée en 1976 et qui est basée dans le sud de la France, à Marseille. On intervient sur des questions d'énergie et de climat. En Afrique de l'Ouest, notamment, on intervient énormément sur des questions d'accès à l'énergie. Ça inclut l'accès à l'électricité, bien sûr, notamment en zone rurale et off-grid, avec un modèle de zone d'activité électrifiée sur lequel on reviendra, je pense, par la suite. Et puis, mais ça inclut aussi les questions de cuisson et de biomasse et de réduction de la consommation de combustible sur lesquels on travaille aussi. On commence aussi à travailler sur des questions d'efficacité énergétique dans le bâtiment en zone chaude, puisqu'il y a de plus en plus de besoins
sur les sujets de refroidissement intérieur des bâtiments et justement comment utiliser des méthodes passives pour réduire ces températures. On travaille énormément au Mali, on est présent en tout cas au Mali, au Burkina et au Bénin, mais avec des équipes implantées localement. Mais on travaille également en assistance technique auprès d'autres organisations, d'autres ONG, des bailleurs, d'autres entreprises privées également et d'autres collectivités territoriales dans d'autres pays, au Sénégal notamment, mais également sur les pays que j'ai cités précédemment. Et comme le disait Céline, on accompagne actuellement, j'en profite pour dire qu'on accompagne actuellement 8 collectivités, dont certaines sont présentes aujourd'hui, je crois, notamment Mopti, Kaï au Mali, Saint-Louis au Sénégal, San Pedro en Côte d'Ivoire, les Hauts-Bassins au Burkina, et voilà, je vais pas tout citer, mais dans la formulation de leur projet d'accès à l'énergie. Donc c'est aussi des actions qu'on met en place de renforcement de capacité et de formation des acteurs locaux, et notamment des collectivités territoriales, pour les accompagner à développer et à formuler leurs projets et potentiellement ensuite aller chercher des financements pour les mettre en place et à les implémenter. Merci Alexis. Tu parlais tout à l'heure donc des zones d'activité électrifiées donc, qui permettent de faciliter l'accès à l'énergie pour les TPE et les MER. Peut-être est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en tes mots les caractéristiques de ces zones d'activité ? Ça fait beaucoup d'acronymes. le concept n'est pas forcément commun. En effet, les zones d'activité électrifiées, c'est un concept que le GRS a développé depuis une petite dizaine d'années au Mali, qui sont des mini-réseaux dédiés aux utilisateurs productifs de l'énergie. Alors, les utilisateurs productifs sont des TPE, des petites entreprises, en fait, des acteurs qui utilisent l'énergie pour développer un revenu et développer une activité économique. Donc on a mis ce concept en place, on crée en fait des pépinières d'entreprises rurales, c'est-à-dire qu'on implante localement des petits groupes d'entreprises qui sont raccordés à un mini réseau qui leur est dédié, et grâce à une énergie de qualité suffisante d'une part et d'autre part 24h/24 fournie 24h/24 donc en continu, ça leur permet de se développer sans se soucier des problèmes d'accès à l'énergie qui sont assez importants en zone rurale. Donc voilà, on a développé déjà deux pilotes en 2016 et 2019 dans le sud-est du Mali, et puis on a continué, on commence à répliquer ce modèle sur d'autres financements, mais on a aujourd'hui 6 ZAE et on a des financements pour déjà aller jusqu'à 15 au Mali. Et puis on accompagne, comme je le disais, d'autres ONG et d'autres entreprises et bureaux d'études, entreprises privées, au Burkina, au Sénégal, pour répliquer ce modèle, puisque les usages productifs sont un sujet très en vogue en ce moment, d'une part, mais d'autre part, enfin, c'est surtout parce que ça a des retombées socio-économiques très importantes, et ce modèle de ZAE, donc de zone d'activité électrifiée, commence à intéresser d'autres organisations sur d'autres territoires, et nous, on se propose de les accompagner pour répliquer et mettre à l'échelle ce modèle sur les territoires sur lesquels on intervient moins à titre, enfin, au nom du GRS en tout cas. Voilà. Merci. Comment s'articulent un petit peu ces interventions entre les différentes parties prenantes, du coup la collectivité, le gestionnaire de la zone d'activité électrifiée et la très petite entreprise? Alors, il y a deux niveaux d'organisation, je pense qu'il faudrait détailler. Il y a un schéma, mais je ne sais pas si on peut le montrer à l'écran. En tout cas, au niveau local, dans un village dans lequel on va implanter une ZAE, il va y avoir, donc vous le voyez, il y a la commune qui joue un rôle important. C'est pour ça aussi qu'on montre ici qu'on travaille énormément avec les collectivités et avec les communes quand on implante une ZAE dans un village. La commune va être en fait propriétaire des bâtiments et va être le maître d'ouvrage de la ZAE. Il va y avoir comme autre acteur local de la ZAE, ça va être les TPE, donc les très petites entreprises, donc les acteurs qui vont en fait être accordés au mini-réseau et qui vont pouvoir se développer grâce à ça. Et un autre acteur important au niveau du village, c'est l'exploitant de la ZAE. Donc c'est celui, la personne, celui ou celle d'ailleurs, qui va gérer la ZAE à la fois techniquement, qui va en assurer la maintenance localement et qui va la gérer financièrement et administrativement. C'est-à-dire qu'elle va être responsable de la gestion admin, de la facturation, du recouvrement
et de la maintenance technique de l'infrastructure afin que tout ça fonctionne bien dans la durée. Et donc il y a un organisme, si on peut appeler ça comme ça, qu'on a créé, qu'on propose en tout cas, qui est un comité local de suivi dans lequel auquel plusieurs personnes appartiennent, entre guillemets. Donc la commune a entre 2 et 4 représentants au comité local de suivi. Les TPE envoient également 2 représentants et l'exploitant de la ZAE est un membre du comité local de suivi. Ce comité local de suivi, il est en lien direct avec des organes qui sont plus actifs au niveau national et qu'on peut voir sur le schéma suivant. Je ne sais pas si on peut passer la slide. Donc ça, c'est au niveau très local et ça, c'est le niveau national. Et donc ce comité local de suivi est en lien avec les acteurs nationaux que sont GBA, donc Greenpeace Africa, dont je vais parler, et le GRS. Donc Greenpeace Africa, c'est une entreprise privée qu'on a créée, que le GRS dont le GRS participe à la création. C'est-à-dire que cette réplication du modèle de ZAE au Mali passe par la création d'une entreprise qui va gérer et développer ce parc de ZAE, un peu comme une entreprise, certaines entreprises développent des mini-réseaux sur des territoires. Le Greenpeace Africa, donc GBA, va développer un parc de ZAE au Mali, et donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Donc GBA, qu'on appelle comme ça, emploie les opérateurs locaux dont on a parlé juste avant, est propriétaire des infrastructures énergétiques et va exploiter les ZAE, donc leurs revenus, etc., est responsable aussi du recouvrement. Les communes, on l'a vu avant, sont le maître d'ouvrage de la ZAE qui est implantée dans leur village. Et puis il va avoir aussi des responsabilités associées à ça, notamment les grosses réparations qui sont liées au bâtiment. Et le GRS va jouer un rôle d'intermédiation sociale, c'est-à-dire que les ZAE sont majoritairement développés par, comme je le disais, les projets du GRS. Et le GRS va garder ce rôle au niveau national d'intermédiation sociale et va veiller à ce que les acteurs, chaque acteur joue bien son rôle, soit bien impliqué dans le et contribue à la bonne gestion et au bon développement des ZAE, et va également appuyer les communes, donc comme je disais encore une fois, en renforcement de capacité, le GRS va appuyer les communes dans l'intégration des différents projets liés au développement de cette ZAE. Donc voilà comment ça s'articule un petit peu, c'est une convention tripartite, je pense que c'est le mot important à retenir, c'est une convention tripartite qui est signée entre la commune où la ZAE est implantée, GBA qui est donc l'entreprise privée que nous avons développée, et le GRS qui reste un acteur majeur du développement des ZAE. Voilà, c'est l'entente entre ces trois parties prenantes qui est importante. Merci beaucoup Alexis. On a peut-être une minute pour un dernier point, peut-être sur les perspectives de mise à l'échelle de ce projet. Tu en as dit un mot, mais peut-être... J'en ai déjà dit un mot, en effet. Au Mali, c'est très guidé par nos projets du GRS et qui sont du coup en lien avec le développement de cette entreprise Greenpeace Africa. Donc il y a vraiment cet objectif de réplication du modèle et de construction d'un parc de ZAE. Le GRS, comme je le disais, intervient également en assistance technique auprès d'autres organisations sur d'autres territoires. Donc on le fait au Sénégal, on le fait au Burkina, avec des organisations, des ONG ou des entreprises privées qui développent leurs propres ZAE, mais profitent de l'expérience du GRS, que le GRS a développée sur ses propres projets, pour assurer, entre guillemets, le bon développement de leur infrastructure énergétique et le bon développement de leur ZAE. Donc c'est quelque chose qu'on fait déjà et qu'on tend à faire également sur d'autres territoires et plus largement à accompagner les différents acteurs à intégrer cette thématique des utilisateurs productifs dans leurs projets. C'est-à-dire que on n'est pas forcément, la ZAE reste une infrastructure, mais plus largement, la thématique des productifs est un enjeu considérable sur énormément des territoires dont on parle aujourd'hui et qui est souvent mal, enfin ou pas assez en tout cas, pris en compte. Et le GRS cherche à accompagner les différents acteurs à ce développement et à ces prises en compte. Donc on le fait et on cherche en tout cas à répliquer ce type de modèle ou ce type d'assistance technique sur différents pays. Et voilà, je pense que la réplication et les perspectives passent un petit peu par là. Merci beaucoup. Peut-être avant la déclusion de cette première partie sur les paroles d'acteurs, y a-t-il des questions qui ressurgissent de la part de l'auditoire? Est-ce qu'il y avait donc des choses?
peut-être comment on peut vous contacter respectivement. Par mail. Et là, battez-vous pour qui intervient en premier. Si on passe encore une slide, il doit y avoir mon adresse mail qui se... On passe la slide. Merci. Si les ZAE vous ont intéressé, n'hésitez pas. Non, on peut tout à fait en discuter juste après. Ou alors, en effet, vous avez mon adresse mail ici, et avec plaisir pour poursuivre les échanges sur ce sujet. Rachel. Oui, pareil. N'hésitez pas à venir me voir et puis on échangera les contacts. Avec plaisir. Idem pour moi. Je suis disponible jusqu'à 19h ce soir. Avant de repartir, j'imagine. Avant de repartir sur Paris. Eh bien, merci beaucoup pour ce temps d'échange. Je vais inviter, je crois, Eddy à nous rejoindre pour la deuxième partie qui va plutôt concerner les entreprises, les pitchs d'entreprises. Merci beaucoup.